Tiens, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi, c'est Nathalie. Quoi, tu me reconnais pas? Mais si, on était ensemble au lycée, c'est vrai. J'ai changé, j'ai des enfants en mari. Bah quoi, t'as l'air surpris. J'étais pas destinée à une vie bien rangée. J'étais perdue, mon mari m'a trouvée. J'étais de celles qui disent jamais non. Les maris, couche-toi là, dont on oublie le nom. Hello! Welcome back! J'ai jamais été aussi près de la caméra. Je sais pas si c'est une bonne idée. Alors, la chanson que vous avez entendue au début de la vidéo s'appelle « Je suis de celles » de Benabar. C'est ma chanson préférée de Benabar. Elle est un peu triste. Je sais pas comment elle a fait pour comprendre et décrire aussi bien la détresse d'une femme. Je pense qu'il faut avoir une grande sensibilité pour écrire ce texte. Et on peut retrouver la même chose dans toutes les chansons de Benabar. Il fait des petits portraits, il raconte des petites histoires, des moments de vie, des conversations qu'on pourrait avoir dans la vraie vie en fait. Et c'est très très beau. C'est pas un grand chanteur avec une capacité vocale de malade, mais c'est ce côté humain, mélancolie qui fait la différence. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je veux que la caméra soit un peu plus près cette fois-ci, pour que je puisse partager, j'espère bien, ces émotions-là avec vous également. Bon, à part tout ça, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette chanson? Il faut que je bouge la caméra parce qu'on aura besoin du piano. Ok, donc, premier point, la conjugaison. Dans la chanson, Nathalie raconte son histoire quand elle était au lycée. Du coup, la plupart des verbes sont conjugués au passé. Donc là, elle a dit « on était ensemble au lycée, j'étais perdue, j'étais pas la jolie, j'étais sa copine. » Mais quand elle parle de sa situation actuelle, on switch au présent. « J'ai des enfants en mari. » Deuxième point, la prononciation. On va voir ensemble les sons qui pourraient être difficiles à prononcer pour nous, les Viettes. On va commencer avec le son « en ». On a « ensemble »,« changer », »,« enfant ». On était ensemble au lycée, c'est vrai, j'ai changé, j'ai des enfants en mari. Pas quoi, t'as l'air surpris. Ok. Le suivant, c'est le son « on ». On dans non, don, on, non, garçon, conquête et compte. J'étais de celles qui disent jamais non, les maris couche-toi là, dont on oublie le nom. J'étais pas la jolie, moi j'étais sa copine, celle qu'on voit à peine. Qu'on appelle machine, j'avais 2 ans de plus, peut-être 2 ans de trop. J'aimais le garçon, peut-être un peu trop. Bien sûr, vous aviez vu des dizaines de conquêtes que personne n'avait vu, toujours pendant les fêtes. Pour beaucoup d'entre vous, je suis la première fois de celle qui compte, mais pas tant que ça. Troisième son, un. Un dans lendemain. Le lendemain et la main. Vous veniez chez moi, mais dès le lendemain, vous refusiez en public de me tenir la main. Yes. Le quatrième point, c'est pas forcément la prononciation d'un son en particulier, mais c'est plutôt un truc à faire attention. C'est la fin des mots. Faut pas zapper ça, parce que du coup, ça pourrait être un autre mot. Donc là, j'ai noté court. Cours, d'accord, paupières et ouvert. On est bien d'accord si on dit cours ou on dit coup, c'est pas la même chose, donc faites bien attention à ça. Je n'étais pas de celles à qui on fait la cour. Moi, j'étais de celles qui sont déjà d'accord. Vous veniez chez moi, mais dès le lendemain, vous refusiez en public de tenir la main. Et quand vous m'embrassiez à l'abri des regards, je savais pour
paupières pendant que vos guettés vous les gardez ouverts. Donc, on a vu la conjugaison en passé, la prononciation des sons en, on et un. Donc on va terminer la vidéo avec ma shortlist de mes chansons préférées de Benabar. Alors on a le dîner. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas. Toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse. On improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis, on les aime pas, puis tant pis. J'adore cette chanson, le dîner. C'est Victor qui m'a fait découvrir cette chanson. Il a juste commencé à la chanter et je pensais que c'était lui qui avait écrit la chanson. C'était tellement nous en fait. Je ne sais pas ce qu'on avait à l'époque, mais on avait tellement la flemme d'aller à des soirées. Ah, désolé, je me sens pas bien. Anyway, du coup, on n'est plus amis avec ces gens-là. Sinon, il y a quoi d'autre? Ok, donc je vais mettre Je suis de sel, bien évidemment. Le dîner, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Pas du tout. C'est la chanson qui s'appelle Pas du tout. La berceuse, Bon anniversaire et Porcelaine. Et je viens d'avoir une idée de génie. J'ai créé une playlist dédiée pour ce projet. Apprendre le français en chanson, c'est le nom du projet. With Ziolan. Ziolan, c'est moi. Vous pouvez vous abonner à cette playlist sur Spotify. Je vais ajouter tous mes coups de cœur à cette playlist. Je vais mettre le lien dans la boîte de description. Je pense que j'ai tout dit sur Benabar et Je suis de sel. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt. Bye!